On va voir comment ça se joue. En tout cas, elles sont super classe. Est-ce qu'il y a un anneau du frelon plus 1? Non, non, encore heureux. Encore heureux que ça n'existe pas. Sinon, ça serait bien la merde. Arbalète, rafale, on la trouve dans les grandes archives. Je crois qu'apparemment on est en train de... Voilà, impossible. On va faire ça pour remettre la session au bon endroit. Comment tu fais pour enlever ta barre de vie? C'est dans les options. C'est dans les options. Bah tiens, après je ferai peut-être un peu de PVP dans les grandes archives. Archives, c'est pas mal. Il y a beaucoup de gens à chaque fois. C'est dans les options pour le HUD. Je sais plus où c'est. Ça. Auto. ATH. Ouais, je pense que je vais me faire défoncer avec ces points-là. Aider à quelque chose, à quoi? Putain, mais je vais me faire défoncer avec ces armes. C'est horrible. Faut être super collé. Faut être collé à l'ennemi, quoi. C'est horrible. Je crois qu'ils sont à gauche. Là, ils sont juste devant, en fait. Enfin, lui. Bonjour, test. C'est pourri ces armes, putain. Oh! Allez! Allez, ça suffit. On va s'arrêter là. Je l'ai fait valser le mec, c'était sympa. Maintenant on va s'amuser. Oh les dégâts! Où se trouve l'épée des ténèbres? Gasket dans les marais avant le boss. Ouais, il faut. C'est juste devant le boss. On peut en farmer plein devant le boss, le Veilleur des Abysses. Après, oui, on peut regarder le let's play parce que franchement, c'est assez long les marais. Il faut. Il y a trois feux à éteindre, etc. Donc ça serait un peu long à montrer et à expliquer. On va repasser, ou alors on va changer un peu. Qu'est-ce qu'on va prendre? On va tester ça. Ah merde, je suis trop lourd. Merde, merde, merde.
Pourquoi je suis aussi lourd? Oh là là, fais chier. Après, je montre mes stats. Allez, en dessous de 70, putain. Voilà. Non. Voilà. Ça, par contre, si on part quelqu'un, on va directement le tuer. Ça c'est sûr. Et ça, c'est mes stats. Tu ranges pas tes armes dans le stockage. Non. Enfin, je ferai le tri. Je ferai le triple la prochaine fois. Enfin, quand j'ai le temps, quand j'ai envie, en fait. Putain, c'est tout. Oh, les HP qui se reprend. Putain, c'est Sion. En fait, j'ai 37 en dex. Mais j'utilise l'anneau qui donne plus 3, donc en gros 40 force, 40 dex. C'est bon, on peut envahir. On va faire ça. Ah, des fois, j'ai l'impression que la connexion marche tellement bien qu'après, elle se dit, bah tiens, je marche un peu trop bien. On va s'arrêter de marcher. On va complètement planter les connexions jusqu'à temps que la personne quitte et revienne dans le jeu. Alors on va juste changer d'endroit, tout simplement. Merci pour le follow. Là je suis sur ce perso, je suis en plus 1, New Game plus 1. Je vais voir s'il ne manque pas des anneaux à récupérer, puis après je me lancerai en plus 2 pour avoir les anneaux plus élevés encore. Oh la vache. Oh putain là. Pas la fumerole. Oh la vache.
Putain, t'as eu de la chance, t'as eu de la chance! Ça va, c'est bon. Tout le monde a les mêmes armes. Oh non, ça n'a pas marché. Ça, j'ai fait les dégâts, mais ça n'a pas marché. Tout le monde utilise les mêmes armes. Ça commence à être un peu chiant. J'espère qu'ils vont vite la nerfer, cette épée. Ils ont tous l'épée des ténèbres. C'est un peu abusé. Je viens de finir Aldrich level 133, c'est pas mal. Moi pour le mois, pour le mien de perso, il va rester 120. Bon, si on a des deux mecs comme ça ou plus, je sors les épées. Je sors pas, je reste pas avec cette arme parce que c'est légèrement la merde. Ramène ton cul, toi. Allez! Ah, merci. Arrête, t'es pas mort. Bah, le problème avec l'épée des ténèbres, c'est que elle fait extrêmement mal. Les dégâts peuvent monter à... Je crois qu'en attaque avec ça, on peut avoir plus de 450, etc. Elle fait trop mal pour une épée simple, en fait. C'est ça le problème. Donc tout le monde peut l'utiliser. Enfin, tout le monde l'utilise à cause de ça. En gros, on peut spammer R1 et faire des dégâts de monstre. Qu'est-ce que... D'accord. Je crois qu'on papa fume quand elle est tenue à deux mains. Ah oui, c'est vrai que j'avais entendu parler de ça. C'est possible, ouais. C'est possible qu'on puisse pas la parer. Sept cents avec la Dark Sword, sérieux? Oui, mais l'épée de chevalier noir, c'est un espadon, c'est les grosses. L'épée des ténèbres, c'est juste une simple épée, genre à une main, une normale, quoi. C'est ça la différence. Et on peut la buffer et tout. Ah, bonjour. Comment t'es pas mort, sérieux? Ah, j'ai plus de stamina, quel con. C'est quoi que t'as, toi? Désolé. Qu'est-ce que tu vas où? Eh, hey, Artorias. Artorias, je suis là. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il fait? Ah, je suis dans la merde, j'ai pas de... Attends, Artorias, arrête de taper, attends. J'ai un... Et merde. Je voulais faire l'attaque spéciale. Ça aurait été trop beau. Ou j'aurais pu le parer et le tuer aussi. Oui, c'est vrai que j'aurais pu faire ça. Ah, les gens, ils veulent pas que je m'amuse avec cette arme.
Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Mais le jeu est pas super balancé encore, hein. Je dois dire que bon, il vient de sortir d'il y a pas très longtemps, mais il reste quand même. Bonjour, ça va? Bonjour, vous allez bien les mecs? Oh putain. Non, pas bon! Ah non! Allez, vous étiez trois là, ça va. T'as dû bourrer le R2, ouais. Après, qu'est-ce qu'on pourrait tester d'autre aussi? On pourrait tester ça, les lames de gardien. Je vais pas balancer du tout. Ah, peut-être pas du tout quand même, c'est peut-être un peu fort, mais on va dire que ouais, y a des trucs quand même qui sont un peu OP quoi. Bonjour, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Putain, ils sont tous ça en Super Saiyan. Waouh! Oh, j'aime bien ce mouvement. Oh, waouh, c'est classe. Ah! Ah, ça va. Le classique, je cours. Le classique, je cours R1, c'est dangereux à faire quand même. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On change un peu. Ouais, on va faire. Oh, je préfère garder des grosses armes, c'est plus drôle. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On pourrait tester ça. On pourrait tester ça. On est à 600 et quelques. Je suis pas très fan parce qu'elle est super lente. Puis la portée elle est bof. On va tester ça un peu. 4 gars couperet, enchanté foudre, dark, feu, cristal, qui spamment les attaques rapides comme des bourrins. Ah ouais, ça devait être horrible quoi. Les espadons, je suis pas super fan. Je suis pas super fan. Je commence à bien aimer les grosses haches ou les marteaux. Grande masse, ça peut être pas mal ça aussi, tiens. Ah oui, il y a ça que je voulais tester. Oh putain, mais c'est 32 fois, fait chier. C'est parti. On peut pas la buff celle-là? Ah merde.
Ah, ils doivent être en haut. Où vous cachez-vous? Eh ouais. Ils sont combien? 2, 3. Bonjour, ça va? Merde, c'est pas ça que je voulais faire. Oh, joli ça. C'est quoi qu'il a? C'est l'épée d'Artorias? Non. Oh, 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 la mienne est plus longue. Ah oh, putain, mais c'est bien ça, c'est quoi ça? C'est celle d'Artorias? Oh l'enfoiré, putain, j'ai... Ça va, il était assez violent. il m'a eu. J'aurais pu... Alors encore une fois, si l'épée était à... si la hache était à plus 5, il serait mort. Ça fait légèrement chier par contre quand ça arrive. C'est la hache du chevalier noir. Cœur d'un dragon monte jusqu'à 770. C'est celle du... Eh merde. Le boss. Pour l'instant, je suis à 609. En plus 4. Après, un truc que j'aimerais bien utiliser, peut-être tester, c'est la hallebarde. La hallebarde est pas mal. Ouais. On verra ça après. Bonne nuit Lucie, merci d'être venue. La foche, c'est vrai qu'elle est jolie la foche. Hallebarde de Gundyr, ouais, je l'ai en plus 5. Elle est au maximum et tout, je sais, c'est une de mes hallebardes préférées aussi. Avec la charge du champion, elle est vraiment énorme, quoi. C'est vraiment une des armes préférées que j'ai. Pour les grosses, en tout cas. On va faire ça. On va aller augmenter des nouvelles armes, je pense. On va mettre des trucs à plus 4 ou plus 9, ça dépend. Hop là. Après, il y a beaucoup de... Je sais pas si c'est vraiment balancé ou pas, mais le coup d'utiliser l'anneau du frelon avec une arme lourde, on peut quasiment tuer tout le monde, quoi, en un coup. Donc bon. J'ai pas d'âme, merde.
Je dois en avoir là. Putain, ouais, bon, la prochaine fois j'utilise des plus grosses. On a l'hallebarde, je vais la mettre à plus 4. Qu'est-ce qu'on pourrait utiliser? La faux du corbeau est pas mal aussi. Hein. La faux du grand chevalier maître. Givre. Jamais testé ça. Jamais testé. Wow. Wow, c'est joli. C'est super joli. Est-ce que c'est bien? Ça, c'est autre chose. Je crois qu'il y a double arbalète. Non, il n'y a pas double arbalète. On pouvait faire ça dans Dark Souls 2. On pouvait le faire. On en prenait deux et on pouvait faire. On pourrait tirer avec les deux en même temps. Mais dans le 3, ça n'existe pas. Par contre, elle saigne pas. Les dégâts sont mieux. Par contre, on peut pas la buffer du coup, voilà, non. 350. On va tester ça, mais les dégâts sont quand même vachement bas. Donc je sais pas ce que ça va donner. D'abord voir. Après, givre, je pense pas que ça soit très très utile dans le jeu. Laisse-moi taper. Hein. J'ai pas l'impression que ça augmente le givre. J'espère que le givre ça sera utile sur des gens parce que là ça a l'air un peu pourri quand même. En deck, je suis 40-40 là. Bonjour. Bonjour. Je suis super classe, mais ça doit être super pourri. Tu lags un peu, toi. Chaque fois que je te tape, il y a un putain de délai. Ah merde, c'est déjà fini? Putain, mais ça dure pas longtemps en plus, cette merde.
Comment je t'ai pas touché là? Comment tu m'as touché là par contre? Ouais, y a un délai grave avec lui. La connexion est pas top top. Bon, c'est pourri, hein. C'est bien pourri. Ça reste pas longtemps. Le mec, il a jamais été givré. Les dégâts sont nuls. Ouais, triste. Triste, triste. On va prendre ça. Ouais, il y a pas mal de... Ah, il y a encore un signe. C'est encore lui. Pourquoi pas continuer à PVP un peu avec cette personne? Ok. Je crois qu'il est derrière le mec. Stance pété, c'était la double rapière. Oh putain, c'est vrai que les rapières ont pas changé dans le 3, hein. Elles sont toujours aussi chiantes. Hein. Les gens qui spamment le R1, c'est atroce. Hein. Ah, mais après, ça dépend souvent de l'endroit où c'est qu'on combat, mais le spam de R1 avec les rapières, c'est atroce. Allez, dépêche-toi, mon bœuf, il va partir. Fais pas genre, ramène ton cul, mon bœuf, il va partir. Par contre, c'est quoi le... Ah, c'est ça, oh d'accord. Ouais, il fait super mal comparé à moi. On va le jouer avec la distance. Voilà. D'où tu me touches? Je t'ai touché bien avant et tu t'arrives à quand même à faire l'animation de me toucher, toi. On s'est balancé des... Bon, toi, je vais arrêter de PVP avec toi. T'as un petit délai qui me rend fou. T'as un délai qui me rend fou. Ça, c'est la classe. Ça, c'est les vrais hommes. On pleure pas quand on a des couteaux dans le ventre. On va se casser d'ici. Ou alors, on va essayer d'envahir, en fait. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Qu'est-ce qu'on peut utiliser? Après, les rapières, ouais, c'est pas vraiment mon style. On teste. On teste.
Oh, qu'est-ce que c'est laid! Allez, on va tester avec ça. Pire, c'est l'avenir. C'est vrai que l'aveline avec les carreaux explosifs est pas mal. Après, bon, ça reste toujours chiant à tirer, à viser, parce que bon, c'est très facile à éviter. Mais c'est vrai qu'elle reste sympa à utiliser. Après, le saignement marche vachement bien dans le jeu, même pour les boss. Il y a très peu de boss qui sont immunisés contre le saignement, donc ça peut... Des fois, ça rend les choses vachement faciles. Alors, on va voir... Là par contre j'ai pas d'hyper armure, rien du tout, donc je vais devoir spammer. Si je me fais stunlock, je suis plus ou moins mort. Ça va être sympa. Ils sont où les mecs? Ils sont en dessous? Non! Arrête, le mec il a renvoyé son esprit et je crois qu'il a fermé son jeu. Il a fait Alt F4. Non, tu te fous de ma gueule. L'anneau du tueur du chevalier. Ah oui, ça me dirait pas d'organiser un fight club. Peut-être que j'en ferai un à l'occasion. Après, je suis pas super fan de faire des duels. Mais ouais, ça pourrait être sympathique. Peut-être qu'on va essayer d'en rejoindre un après. Bon, ici, il n'y a personne, on se casse. Je préfère quand même les envahir les gens, quoi. C'est plus drôle. Bon allez, on va essayer d'en rejoindre. Normalement, il y a plein de monde. Ici, il y a toujours des fight clubs ici. Les castagnes. Ouais, mais peut-être à l'occasion, je mettrai une petite vidéo sur ma chaîne, etc. Donc mes armes, normalement, c'est ça. Après, on a... On y est presque... Voilà. Ok. On va mettre notre signe. Eh, le bordel.
On change de couleur. Non, c'est bon. Après, j'aime pas trop le. C'est super stressant en fait. De faire des fight clubs ou alors de faire des duels. Je préfère envahir perso. Ouais, on peut invoquer des gens, mais le truc c'est qu'on a plus d'HP, donc bon, enfin je sais pas. On va faire ça, on va mettre. Bah voilà. C'est parti, putain le stress. Oh putain le stress. Bonjour. Pas faire le geste en même temps que moi, ça m'éviterait de perdre du temps. Est-ce qu'il peut parer avec ce bouclier? Je me rappelle jamais. Ah, j'aurais dû changer pour la Gundyr. Oh la vache! Bon, bah, j'ai rien dit. Il n'y avait pas besoin de Gundyr ici. C'est. Ouais, le bouclier du dragon il peut parer, ok. Bon, la prochaine fois j'y vais pas aussi violent alors, parce que c'est dangereux. Putain, depuis quand je fais aussi mal avec ces épées en parant? C'est abusé. Yeah! Deuxième combat. J'aime bien le délai de Twitch en fait. La réponse, je l'ai eu après que le mec soit mort. Bon, là par contre, je vais me faire défoncer, je sens. Bonjour. Ouais, carrément. T'es en train de te courber dans le mauvais. Oh putain, le lag. Oh, tu. Oh la vache. Putain, qu'est-ce que tu fais? Lag de merde. D'où tu me touches? D'où tu me touches? Bah, tu lag ta maman. J'aime bien le coup de la charge du champion. Parce que là, en fait, on l'a bien vu, ça l'a complètement perturbé. C'est que le commencement de la charge, il y a une sorte de délai parce que, en fait, on s'apprête à foncer dessus. Et le mec, en fait, l'a paré.
Donc il aurait pu complètement parer la charge. La charge, elle est complètement. C'est complètement possible. Je me suis déjà fait parer après one shot. Mais il y a toujours un petit délai. Donc le mec il a paré. Puis après, il se l'est pris dans la gueule, quoi. C'était plutôt sympa. C'était plutôt marrant. Ouais, sur PC, ouais. Plus joli ça. Ça va, 2 sur 2, ça va, ça se passe. Feral. J'ai combien d'HP quand je suis en esprit? Ah, 1630? Ah oui, quand on se fait invoquer... Quand on se fait invoquer, on est en état de braise aussi. Le dernier coup, il a pas marché, putain. Putain, mais t'arrêtes pas de... tu t'en fais des roulades, toi, la vache. Non, ça c'est pas... ça marche pas. Non! 12, t'es pas mort. La vache. Ça va jouer à la... Oh l'enfoiré. C'est marrant. Putain, faut que je prenne une arbalète aussi. Si un Rambo 20 t'invoque, c'est moi. Ok, ça marche. Ah, je suis mort. Ouais, pour peut-être le PVP, on va prendre ça, ça ira plus vite. C'est plus dangereux. Voilà. On va utiliser ça à la place. Sinon, t'as vu le trailer du prochain... Non, j'ai pas vu encore le du prochain de Fallout 4. J'ai vu, ça a l'air d'être un... Enfin, je sais le nom, j'ai l'impression que c'est un truc avec une bonne histoire, qui fait peur, etc. Donc... mais depuis... C'est quoi? Bah, depuis Automatron, en fait, j'ai plus vraiment trop rejoué à Fallout 4. Je sais que le mode survie, le nouveau mode survie est sorti. J'ai toujours pas fait la mise à jour encore. Oh la vache, il y a du monde.
Waouh, c'est quoi ça? Elle est sympa cette lance. Par contre, c'est ça qui est dans les Fight Club, c'est chiant, faut attendre son tour et tout. C'est un peu chiant. Waouh. Le mec il régène de la vie constamment, je crois. Putain, si j'arrive à locker l'autre. Ah. Ouais, c'est pas mal le coup de d'avoir béni son arme. Ça augmente légèrement les dégâts. Et ça remet des HP, c'est pas mal. Putain la rapière, oh la rapière, oh putain de merde, c'est horrible ces armes là. Ah mais les dégâts s'il te plaît quoi. C'est vraiment horrible cette merde. Non non non, c'est laid. En plus je vais devoir le combattre, oh putain de merde. Oh! C'est mon tour! Enfin, je crois. Ouais, non, ouais, c'est mon tour. Bonjour, on est prêt? Ouais, on est prêt. Putain, mais le mec, il est buffé à mort, quoi. Et il prend rien en dégâts, il prend que dalle en dégâts, c'est quoi cette merde? Putain de tarasse. Oh. Tellement mort. Comment t'as autant... Non, comment t'as autant de résistance, s'il te plaît? Presque. Presque. S'il était paré, c'était bon, je gagnais. Oh la vache. Bah, c'est ça qui m'énerve dans les Fight Club, c'est qu'on attend son tour et bah, quand ça se passe mal, c'est chiant. Voilà. Par contre, c'est chaud la défense qu'il avait. Je lui ai fait ça. Non, je lui ai fait ça. Je lui ai fait un coup des deux estocs dans le ventre. Normalement, ça fait 300 et quelques. Lui, ça lui a rien fait, s'il te plaît. Quelqu'un sait le buff qu'il faisait, là où c'est que ça fait une grosse AO énorme? Parce que ça, je me rappelle pas du tout ce que c'est, cette magie. Je vois pas du tout ce qu'il faisait, en fait. Engagement sacré, non... Ah, c'est peut-être la magie de Rosaria, là. C'est peut-être le gros régène, en fait.
Le gars a 99 en vita et en constitution, c'est pour ça qu'il a... C'est possible, ouais. Est-ce que c'est le même ou pas? Geralt of Rivia. Putain, mais lui, je le vois souvent. Oh la méta! Avec l'épée des ténèbres. Ah tiens, c'est les épées de la danseuse, c'est rare de voir ça. Waouh! Ça va les dégâts. Ah! Ce serait bien de voir un magicien un peu. Y a personne qui utilise la magie. Normal, c'est dober la magie. C'est à mon tour. Apparemment, c'est à moi. Deux. Putain, vas-y. Geralt, tu fais chier à la gueule. Oh l'enflure, il m'a. Ça va, il m'a bien. Il a bien fait l'appât, ça va. Ouais, c'est bon, c'est mort. Oh putain, il m'a complètement défoncé au moment où c'est qu'il m'a. Il m'a poussé à faire la roulade d'airain. C'est vrai que c'était con de ma part.